tous et à tous, c'est Jordan, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Verdelge. Donc j'avais dit que j'allais la faire en off cette bataille, mais non. On va la faire parce que c'est quand même quasiment la fin des nains, des Redluin. On va essayer de faire un max de batailles et je suis pas sûr qu'il y ait d'autres batailles dans cet épisode. Donc, enfin si, peut-être en fait. Je sais plus si il y avait la grosse armée des nains qui squattait devant chez moi là-bas. Il y en a une là. Après, elle squatte pas devant chez moi, mais elle est là. Donc, alors, on va faire cette bataille. On verra bien si les nains de Khazad-dûm viennent nous. Bon, après, on s'est refait une nouvelle armée. Hein. Oui, du coup, oui, j'ai des armées de renfort. Hein. Stanuminas et tout. Enfin, toutes les mes grosses villes, mes centres de production un peu. Pour préparer de nouvelles armées pour pouvoir commencer à aller assiéger les villes elfes et des nains de Khazad-dûm. Alors ici en plus c'est eux qui m'attaquent, donc ça c'est plutôt un bon délire. Hop. Ouais. Parce qu'il faut vraiment que je place bien mes catapultes. Par exemple, là, ça va pas, quoi. Ouais, ça va pas du tout. Il va falloir aller placer sur la pente. Ou alors là-bas, à la rigueur, mais... Ouais. Oui, de toute façon ici c'était pas un bon délire de les placer. Donc on va faire ça. Ou non, non, attendez. Attendez, j'ai une bonne idée là. Bon, ça, toi dégage. Ça. On va les placer juste là. Alors bon, attendez. J'ai compris ce que moi je voulais faire, c'est déjà pas mal, hein. Calmez-vous. Alors ensuite. Hop. On va remettre sur le côté. Ici pareil. On met les archers là. Hop. Et les wargs ici. Alors. Ok. Bon, on a du monde en face. Ils ont que deux là. C'est embêtant pour le coup. Ouais. Ça veut dire que la grosse armée elle est derrière moi. Ah oui. Ok. Je sais pas pourquoi le jeu il bug beaucoup. J'ai un énorme problème de FPS sur le jeu depuis hier. Alors que je comprends vraiment pas pourquoi, mais c'est hyper relou, c'est très chiant. Redluin Warriors. Ouais, attendez, ce qu'on va faire, hop, on va réorganiser l'armée directement. Je vais bouger tout ça et je vais mettre tout ça là. Hop, voilà. Ensuite tout ça sur le flanc, tout le reste, hop, sur le flanc aussi. Et mes catapultes pareil. Mes archers aussi. Hop. Voilà.
Comme ça, je suis déjà préparé pour le reste. Donc ouais, je sais pas pourquoi j'ai des retards comme ça de FS, c'est relou. Putain, mais ça m'énerve pas de bug comme ça, je comprends pas pourquoi. Ça me l'a jamais fait, surtout sur Verdead en plus, souvent c'est peut-être le jeu que j'ai qui est le plus fluide. Autant des fois ça va bien se passer, mais autant des fois ça va laguer à mort. Pour aucune raison. Alors qu'il y a absolument rien en arrière-plan, hein. Il n'y a rien qui se passe. Hein. Mais je crois pas. Je ne comprends pas pourquoi. Hop. Oula. Pourquoi ça bug comme ça? C'est infernal. C'est vraiment infernal que ça lag comme ça là. Ça gâche tout en fait. C'est ça qui est chiant, c'est que ça gâche vraiment tout. On va revenir sur les Forgers. Là ça va mieux. Bon alors. Parce qu'on a vraiment... c'est vraiment des très très grosses unités en face. Donc c'est ça qui fait peur. Hop. Voilà. Hop. On refait un petit aller-retour sur eux. Alors, visons. Ça c'est une bonne cible ça. Ah bah voilà. Mes wargs sont là. Hop, comme ça je vais pouvoir me débarrasser de tout ça, c'est bien. Ok, il a touché personne le mec. Oula. Oui. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, maintenant par contre j'ai vraiment beaucoup à faire. Faut que j'arrive à aller dans le dos là. Dans le dos de tout le monde. Ouais, enfin Coco fait pas du team kill hein. Parce que là, ça va pas le faire. Hop. Faut que j'élimine le général, donc là, faut que je passe au travers. Faut que j'essaye de passer au travers sans me faire accrocher. Pour aller éliminer le général et après on pourra arriver dans le dos de ces unités-là. Voilà. Là on est plutôt bien placé. C'est quoi la charge là? Ah la charge de Zoulette quoi, je suis déçu. Hop. Putain, les charges, elles font pas effet du tout. Allez là! C'est quoi les charges là? Non, ça va. Ça a fait un peu de dégâts quand même. Allez, on va recharger.
Oula. Vite, 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 vite. On va s'enfuir, on va s'enfuir. Allez, on se casse. Et on va se mettre là. On va arrêter de tirer surtout. Parce que ça, c'est un mauvais délire. Hop, on va venir ici. Allez. Est-ce que ça va être efficace? J'ai... Putain, mais chargé bien, normalement. Ouais, ok, bon. Là-dessus, alors. Ben voilà. Ça, c'est efficace, ça. Hop. Voilà. Ça commence à être efficace. Assassin de la police. Whoop, whoop. Nique la police. Hop. Hop. Parfait. Allez, hop. Voilà. Comme ça, on élimine vraiment tout le monde. Et absolument plus personne. Ici. Ça a un gangbang avec le général ennemi. Super. Mais faut se dépêcher par contre. Hein. Allez, il reste plus que le général. Là, on va pas mettre 10 ans à le tuer quand même. Ah voilà, voilà. Voilà. Heroic victory. T'as cette armée là, elle a tenu de ouf hein, parce que première fois elle a réussi à l'éliminer, elle a reçu du renfort et elle a essayé d'éliminer tout ce qu'il y avait dedans, tout ce qu'il y avait dans les halles de Torin et ce qui lui arrivait derrière. Donc ouais, on est vraiment bon. On est bon. Hop. Ok. Je pense que cette ville-là est en danger, du coup. Parce que cette armée elfe est peut-être bien partie pour aller là-bas. Soit j'ai du renfort à proximité, hein. C'est pas dramatique. Hey, hey. Mithlon a été rasé. Donc je crois que les nains sont morts. Hey, hey, on a détruit les nains des Red Luin. Voilà, c'est fini. C'est fini, les copains. On a enfin fini les nains des Red Luin. Ils sont morts. Donc, bah voilà. C'est la fin. C'est la fin. Pour les nains des Red Luin, on les a vaincus. Et j'ai un revenu particulièrement astronomique. Avec la prise des Halles de Torin. Donc voilà, c'est assez énorme pour le coup. On va direct passer sur ça et partir sur ça ensuite. Ici, on va enchaîner sur des mines. Là, bon, on peut pas faire grand chose de toute façon. À Ostjalen, on va faire ça. Ensuite là. La culture elfe, elle est encore beaucoup trop présente par contre, ça c'est chiant. On va faire les mines. Hop.
On va faire les mines. Ici, on faisait l'infrastructure. Ok. Ensuite, là, en même temps, ouais, en même temps, on faisait les trous pour les nains. Les nains de Kazakhdoum. Ensuite, là, je vais faire descendre tout ça là-bas. En un tour, je peux le faire, donc c'est pas mal. Ensuite, ici, on enchaîne là-dessus. Hop, on continue de faire des troupes. Parce que Fenas Drunin, je pense qu'ils vont plus tenir très très longtemps en fait. Vu l'armée qui nous arrive dessus, je pense qu'on va vite tomber. Hop. J'ai énormément de sous. J'ai plein de sous. Hop. J'ai des possibilités, j'ai beaucoup de possibilités pour faire des mines. Donc ça, c'est vraiment cool. Parce que des mines, c'est rare d'en avoir vraiment des possibilités. C'est certaines villes qui le peuvent, c'est pas tous, toutes. Donc ouais, c'est cool de pouvoir faire des mines. Ouais, c'était sûr, hein, qui nous assiège, c'était vraiment sûr. Mais j'ai eu raison de ramener du renfort parce que sinon j'allais la perdre, la ville. Ouais, elle aurait pu venir nous aider quand même. Je sais pas d'où tu débarques, toi, mais c'est pas très gentil, quoi. Oh non! C'est une blague! Oh, je suis choqué. Je suis choqué. Fenestrudin, Carassé d'Arnen. Ok, ça produit, ça produit, ça charbonne, ça. Bien, ça. Faut que je trouve la nouvelle ville. Elf. Faut que je la trouve, la nouvelle ville elf. Je vais ramener ça, 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 ça. Je vais les remonter. Hop. On va attaquer Forlorn. Hop, ici c'est bon. Car à Stellarden, de toute façon, je peux rien faire. Alors, abri. Non, là que j'ai de la thune, faut vraiment que je développe ces villes-là. Faut pas... On va pas rigoler, là. Hein? Hop. Et ici, ça se développe aussi. Ensuite. Fornost. Ok, ouais, non, j'ai pas trop envie. Ça coûte cher. Hop, infrastructure. Barqueta, ouais. Ok. Voilà, ça c'est important, ça. Ici, ouais, non. Ok. Ah, j'ai pas j'ai plus d'armée là en fait. Ok. D'accord. Ok. Bon. C'est la merde, quoi. C'est. Ouh. Oh, j'ai pas le choix, quoi. C'est. Je dois gagner, sinon je peux pas me perdre. Sinon je meurs. Ah, choqué. Ouais, quand même. C'est chaud quand même. Hop. On va passer le tour. Eux, ils reprennent la ville du coup. C'est absolument pas dramatique en soi, sauf que bon, bah, j'avais prévu de faire des mines. J'ai dépensé l'argent pour faire les mines et bah, du coup, plus l'argent pour faire les mines. C'est super. Mais rien de grave. On va repartir du... T'inquiète. Alors, ici. Hop. Oh,
House Jelloun a fait ça. Ensuite, on va faire des trucs pour les archers. Ensuite, les halles de Thorin. On fait ça aussi, c'est pas mal, c'est bien. Bon, pas d'autres villes aux alentours. Ok. En espérant que ce soit l'une des dernières villes elfes. Ok, elle est là. Hop, petite tour ici. Ici, il faut qu'on retrouve, faut qu'on reparte. Hop, c'est bien. Ensuite, hop, Orc Marauder. Les piquiers, il nous faut peut-être des archers. Oui, il nous faut des archers, c'est très bien vu. Hop. On va faire ça ensuite. Abré. Hop. Ça peut être pas mal. À Céloniot. Ma foi, on va faire des unités. Et ici, on va refaire des unités aussi. Hop, toi dégage. Ça, l'armée de Finas Druin sera complète et assez puissante. Et après, on va pouvoir commencer à recruter massivement. Hop, voilà, ça va être pas mal. Là, j'ai envie que Shedun, Lithash et Karndoum soient vraiment un point de départ pour la production d'unités très lourde. Ça veut dire quoi, ça, déjà? Je sais plus du tout ce que ça veut dire. Ici, infrastructure ou pas? Ça coûte cher, quand même. Ouais, mais faut le faire, de toute façon, faut le faire. Alitash, on les a faites, c'est bien. Ok. Alors ici. Ils sont où les généraux que j'ai gagnés là? Je sais pas où ils sont. Hein. Parce que j'ai gagné pas mal de généraux. Ok, ils sont tous là. Bon, ma foi. Faut que j'en fasse partir. Hop, voilà, j'en ai deux là-bas. Et par contre, il y en a un qui va partir vers Fornost. Voilà. Un gardien de Khazad-dûm. Voilà. On va recruter assez rapidement ici puisque j'ai une énorme capacité de production, donc ça c'est cool. Hop. Alors. Hop. C'est bien. On a pris Forland. Et on a éliminé leur chef de faction. Ça c'est parfait. Hop. Ensuite, Slave Hall. Il y a plus d'autres villes dans ce coin-là. Donc ça c'est bien. On a pris toute la péninsule. Il faut qu'on prenne ça. Ensuite, il faut prendre ce qu'il y a là. Et ce qu'il y a au sud ici, et les elfes seront détruits. Ils ont plus que 3 villes au total, donc c'est bon pour nous. Hop, on repasse le tour. Là, je pense avec Lonrat the Fat, là, le général que... ouais, c'est un général, je crois. Que j'ai. Mais on...
On va pouvoir prendre la ville. Je pense que ça devrait suffire. Logiquement, on verra bien, hein. De toute façon, au point on en est. Donc, je pense que... Encore 5-6 épisodes. Et on en aura fini avec la campagne. Là, chez nous, on a fini ça, c'est très bien. On enchaîne direct là-dessus. Hop. On continue vraiment production massive. Faudra que... J'ai beaucoup de bâtiments à faire, hein. Cela dit. Donc ouais, il y a Erebor qui est tombé. Hop. Ensuite, ici. Pareil, il y a beaucoup de choses à faire. Je peux faire des wargs en assez grand nombre, c'est cool. Abré. Ok, ça lance les constructions aussi. Ici. Je vais envoyer ça au sud. Envoyer toujours un peu plus de troupes parce que c'est assez fragile. Pourquoi t'es passé là, sale con? Fous de ma gueule. Il se fout de ma gueule. C'est pas encore sûr. Je vais attendre mon renfort. Parce que je vais bégayer si je perds. Hop. Ensuite. J'ai plus beaucoup de thunes, de toute façon. J'attends les infrastructures aussi. Ça, c'est bien parce que je vais vraiment pouvoir circuler très vite. Et librement dans, dans tout mon territoire avec les nouvelles infrastructures que je fais un peu partout. Donc ça c'est plutôt cool. Hop, ici. C'est bien. Alitash. Hop, on produit un max. Allez, hop. Putain, il avance pas, long gaz. Il a pas compris. Oh, le con. Putain, ça fait perdre du temps, quoi. En plus, les armées de Fornost et tout sont quasiment prêtes. Donc, ça fait vraiment chier pour le coup. Il y a une armée qui va partir pour Hostingale. Une armée pour une ou deux armées pour Imladris. Parce que Imladris... En plus, il y a l'anneau à Imladris. Ma foi, donc très bien. Donc ouais, on a beaucoup de choses à faire encore, hein. C'est pas fini du tout. Hostingale. Bah, si lui il va à Fornost. Et toi tu dois aller à Carndom. Qu'est-ce que t'as pas compris, malheureux? Hop, t'enchaîneras directement là-dessus. Ensuite. Hop. Ça enchaîne là-dessus aussi, c'est bien. Ici. Il y a des villes qui grandissent pas du tout. C'est vraiment chiant. Ici. Ici, c'est vrai qu'on avait amélioré la ville. On avait réussi à l'améliorer. Donc c'était pas mal. Par contre ici ça part sur des mines ou pas, je sais pas du tout. Ouais, on part sur des mines pour après à Anuminas parce que faut que l'économie elle suive, puisqu'on est en train de recruter vraiment beaucoup. Faut que toute notre économie suive, parce que si elle suit pas, on va galérer, on va vraiment galérer ici. Hop. Ensuite là. Faut que je trouve l'autre ville ici. Hop. Tiens, j'ai de la thune. On part sur
des mines sur une construction assez totale ici, hein, parce que bon, on a beaucoup de possibilités. Ici, on verra bien. Hop. Ensuite, là-haut. Parce qu'il y a énormément de possibilités de construction dans ce coin-là. Ah, je vais bientôt finir mes mines. Donc, ici. On va partir là-dessus. La culture commence vraiment à s'imposer. Donc, ça, c'est bien. Ici, on partira sur ça, puis sur ça. Hop, ici. On va faire les wargs. Hop. Ensuite, là, les infrastructures se font. À barrer. On construit ça, ok. Bon, bah, faut. La culture de Melkor. Ok. Hop. Construction, construction, toujours de la construction. Ici, on doit faire ça d'urgence. Hop, et on passe le tour. Alors. Ça me fait chier parce que je suis pas prêt pour aller à Imladris, mais pourtant, il y a l'anneau, et j'aurais bien aimé qu'on s'implique un minimum dans cette série. Ça pourrait être vraiment sympathique. Hop. Alors, s'ils me disent que je perds, je les défonce. Hein. Des grosses barres. Les FDP. Épisode sur cette série. Enfin, après, ça dépendra vraiment du temps que je mets pour terminer les elfes et tout. Hein, on verra bien. Hop. On occupe. Oui, bah annexé, c'est marrant, 2 minutes, hein, mais bon. Ok. Ah bah Arlon, elle est là. On a Arlon qui est ici. C'est bien. Ici, faut qu'on prenne la ville. Bon, on a pris la ville. Maintenant, on a eu quoi comme bâtiment? Je vais pas regarder, les infrastructures ont été faites. Ok. Si l'armée est bien remplie, hein. Enfin elle est terminée en fait, quasiment. Il me faut plus. Ouais, non, il faut plus de troupes, hein. Je rigole, hein. C'est pas fini. Faut faire des archers, j'en ai besoin, parce que j'en ai pas beaucoup. Hop, on va refaire des gardiens de Khazad Dûm, Angmar Bodyguard. Ensuite ici, bon on n'a pas le choix, on continue ça. Angsoul, ah Angsoul, tiens, on part sur ça. Oh ouais, on part sur ça. Allez, on part sur ça, hop. Et on repasse le tour. Je pense qu'on s'arrêtera environ au niveau des 40 minutes pour cet épisode. Niveau de 40 minutes d'épisode, je pense que ça peut être bien. Voir un peu plus, je sais pas, on verra bien. Ouais, y a du monde qui se regroupe à Arlon du coup, hein, parce que ils ont pris un coup dans la gueule. Et on a une putain d'armée qui vient de spot. Donc on a le droit de pas être bien aussi. On a une grosse armée elfe qui vient de spot. Super. Je sais pas si vous l'avez vu, mais moi, en tout cas, moi je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. Alors. Du coup. On va pas pouvoir laisser faire ça. Vous pouvez comprendre. C'est pas possible. Du coup. Tout ça, ça part par là. Et il va falloir qu'on se défende. Parce que là, on va prendre un coup dans la gueule. Un coup vraiment dur à porter. L'unité la plus faible, celle-là. Et on part directement direction Arlon.
J'aurais pas de quoi la vaincre, hein, l'unité, mais enfin l'armée. Mais c'est fait exprès, vous inquiétez pas. Ensuite, ici. J'ai pas ce qu'il faut, ça, ça fait chier, mais j'ai pas le choix. Ensuite, alors, on supprime ça, 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 on va pas prendre tout ça de war quand même. Hop, on descend. Putain, j'ai un nombre de wargs assez énorme. Pour le coup, hop, je vais regrouper, je vais fusionner ça et ça, et on aura une armée vraiment assez belle, assez bonne, puissante. Donc c'est cool. Ici, ça fait plus rien, on va faire un temple. Ensuite... Ouais, quand même. Ça fait chier, non. Ça, je vais l'enlever, au cas où. Parce que s'il m'attaque et que je perds la ville, les mines, je pourrais pas... Enfin, j'aurais dépensé toute la thune des mines dans le vide. Donc, ouais. C'est marrant en 2 minutes, quoi. Mais ça coûte cher, quand même. Hop. Alors, ensuite... Voilà, ici. Moi, j'ai toujours pas ce que je veux, c'est assez long. Mais bon, en même temps, normal. J'aimerais bien me faire... Je sais pas, genre, des fois j'ai des folies quand je joue l'ancien homme d'Angmar, c'est de me faire une armée full homme du Rudor. C'est marrant, avec que des épéistes du Rudor, que des piquiers du Rudor et tout. C'est assez drôle. Je sais pas, j'ai des poussées de folie des fois. Faut pas m'en vouloir. Hop. On va améliorer un peu l'armée. Ça serait bien. Hop, donc voilà. Je vais faire une petite pause, hop. A tout de suite, jeunes gens. Là donc alors bah façon je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter quand même parce que ça fait 40 minutes qu'on est là mais les derniers épisodes je pense qu'ils seront assez longs. Je pense qu'on va passer le tour, on va passer le tour. Là on arrive à un stade où on passe beaucoup de tours, on va passer beaucoup de tours tout le temps. Oula, pourquoi vous allez là bas vous? Non, commencez pas à jouer à cache-cache, hein, s'il vous plaît, hein. Jouez pas à cache-cache, hein. J'ai pas que ça qu'à faire. Hein. Oh, non, j'espère qu'ils vont pas me faire ce coup-là, jouer à cache-cache tout le temps, parce que... Non, moi, je veux un affrontement digne de ce nom, avec les elfes, comme j'ai eu avec les nains. Ah bah oui. Hop. Amitlon, bah c'est bien. Je vais attendre hein, par contre. Je vais attendre avant de faire plus à Mithlon parce que ça me fait peur. Hop, ensuite ici. What the fuck. Alors, attendez. On a des piquets. Lourd. Des maraudeurs lourds. Hop. Viens là, toi. Hop. Alors, tout ça, ça va ensemble. Ensuite, les archers. Et on attendra la suite de l'armée pour la composer. J'aime bien qu'une armée soit bien triée. C'est important.
pourquoi il y a que ça qui peut bouger en fait. Alors attendez. Sauf ça, ça. Bah ça du coup. Hop, et ça tu vas là-bas. Ou non, tu redescends. Oula. Let us settle matters on the field of battle. I would fight for your people as if they were my own friend. Ouais. Alors, attendez. No sleeping here. No sleeping here. Get ready. I respect you, my enemy. Ah ouais, quand même. C'est emmerdant ça. No sleeping here. Je vais laisser ça derrière moi, c'est juste pour anticiper et être sur Arlon avant eux. Pour pas me faire avoir parce que je la sens la carotte à force. Hop, ensuite j'avais pas un espion dans le délire là. Il est là, bon. Ok, l'armée elle fait ici, super. Hop, dans 2 tours j'ai ça, et dans 4 tours ici j'ai ça, ok. Voilà, ensuite... Ok. Ok. Hop, ensuite au prochain tour, je vais faire ça direct. Oula, il y a quand même beaucoup de mouvement ici. Ensuite, ici. Voilà. Ensuite, là-haut. Au prochain tour, les baraques. Ou... La culture, c'est comment ici? Pas terrible. Alors, hop, on augmente la culture. Ici. Ça s'améliore, ça s'améliore, ma foi. On est passé au-dessus des nains. Ici, pareil, ça s'améliore. On n'est pas encore au-dessus des nains, mais ça s'améliore. Et ici au prochain tour on refera un temple, on améliorera les temples. Hop, ici pareil, on va faire ça. Ensuite ici on peut rien faire, ok. Hop, et à Bray peut-être, je sais pas si j'ai des possibilités. À Bray non. Hop. Hop. Voilà, c'est pas mal. Allez, on passe le tour. Et on va s'arrêter à la fin du tour prochain. Avant de le passer, on s'arrêtera pour faire un nouvel épisode. Comme ça, je les aurai bien, bien rushés. Et je vais pouvoir aller réviser mon bac. Oui, réviser, réviser, réviser. Il faut réviser. Ça me saoule. Ah oui. À Mansoul. Tiens donc. Alors, Alitash. Très bien. Hop. Alors, Alitash. Putain, ça va être monstrueux les armées qu'on va sortir quand même. Quoi, c'est chaud. Hop. Ensuite, alors oui, ici. Ah merde, je peux pas encore. Hop, ensuite, niveau des bâtiments. À Forlon. Hop. Ensuite. Ici. Ok, on a continué là-dessus. Et Alitash. Ok. On repasse. Ah merde, je n'avais pas passé le tour, fait chier. Bah c'est pas grave. Et du coup les elfes, ils ont pas bougé en fait. Je les ai pas vus bouger, c'est con. J'ai pas l'impression, non. Ah si, ils sont là. Ok. Ok, bah ma foi. Ok. Alors, on va regarder au moins ce qu'ils ont. Ah, quand même. Ouais. Allez, on bouge. On va en retraite. Et je vais les réassiéger.
vous inquiétez pas, j'ai encore les assiégés. Je vais faire que ça le temps que mon armée arrive et qu'on puisse les prendre en 2-2 comme ça. Oula. Je voulais pas ça. Je voulais pas. Je voulais pas vous déranger. Hop, alors Alitash, il y a eu du recrutement, Fornost, Anuminas, hop. Ici on descend. On a une nouvelle armée. Oula. Ici. Ça fait beaucoup, ça fait peur. Hein, pour les abattre, ça, ouais, c'est pas énorme, ça fait peur. Enfin bref, voilà, jeunes gens, on va se laisser pour cet épisode, un épisode assez long, même pour ma part aussi, c'était long. Mais un épisode qui était utile et qui, en fait, montre un petit peu toute la puissance du royaume d'Angmar qui a presque terminé de renaître. Hein. Il est très très grand, très puissant. Ce royaume d'Angmar, on a quand même 9 châteaux et 24 cités. On contrôle 33 régions. On a 24 généraux. Et on a gagné 136 batailles. On en a perdu 16. On est autour 3000. On est autour 184 et l'année 3026. Et on a encore 217 tours possibles à faire. Donc voilà, clairement on est assez bien. On est quand même ouais, ça c'est la loyauté envers le Mordor. On n'est pas dans les derniers, on est bon. Le rune par contre n'est pas très apprécié. Enfin il est pas, c'est pas qu'il est pas très apprécié, c'est qu'il est dans les moins loyales avec les orques des monts brumeux. Ma foi, bon, c'est vrai que les orques des monts brumeux sont connus pour faire un petit peu leur truc de leur côté et pas forcément répondre aux appels du Mordor. Ils en ont un petit peu rien à foutre. À Shedun, ah oui, on a fait tout ça quand même. Donc voilà, donc bah jeunes gens, on va se laisser là-dessus. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite bon courage pour vos examens de fin d'année. Donc voilà, salut à tous et ciao ciao !